On vous l'annonçait dès hier soir, une femme de 70 ans a été retrouvée pendue dans son appartement route de Vienne à Vénissieux, alors qu'elle était sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Ce sont l'huissier et la police venus justement pour l'expulser qui ont fait la macabre découverte. Sa voisine n'est pas étonnée. Parce qu'elle va se suicider, je le sais, elle me l'a dit. Elle y a marqué sur chez elle, c'est marqué. Si on m'expulse, je me suiciderai. Cette locataire payait son loyer, mais la propriétaire souhaitait vendre l'appartement. De son côté, Michel Picard, maire de Vénissieux, avait pris des arrêtés dès 2010 interdisant les expulsions sur sa commune. Le tribunal administratif les avait suspendus la semaine dernière. La ville de Vénissieux se bat depuis des années contre les expulsions parce que c'est des actes qui sont effectivement inhumains. C'est inacceptable d'une société développée. En plus, ça ne règle rien sur le fond, une expulsion. La préfecture, de son côté, précise que la décision judiciaire datait de 2011 et que plusieurs offres de logements de substitution avaient été faites à cette personne.